Prendre le temps euh, d'observer et de regarder à quoi ça va ressembler avec anticipation. Par rapport à qu'est-ce que vous voulez, dans quelle période de boulot vous êtes, euh, est-ce que ça va juste tomber euh, quand vous devez finir un projet ou faire un lancement de quelque chose ou euh, dans une petite période de rush, déjà un peu essayer de cibler sur vos cycles de vie, sur euh, les cycles de vie de vos de vos boulots de vos projets, euh, vraiment dans, dans, dans une perspective euh, et dans une vision assez globale. Donc en gros c'est prendre un rendez-vous avec soi, euh, prévoir euh, quelques semaines avant de dire ok ok euh, c'est bientôt les vacances euh, c'est quoi mon plan <laughs> quelles sont mes options euh, et qu'est-ce que quels sont mes, mes, mes impondérables mes impératifs quelles sont les, les, les choses réelles finalement qu'on va pas forcément pouvoir facilement bouger et qu'est-ce qu qu'on va devoir ajuster Hey bienvenue dans le podcast être audacieuse je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie vos choix tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque! Hello les mamans indépendantes, entrepreneurs, les mamans qui bossent et euh, qui vivent ce cycle où chaque 5-6 semaines elles ont des gamins à la maison. <laughs> Suite à une conversation, je me suis remémorée que je voulais vous enregistrer un jour un épisode qui parle des vacances scolaires et je pense vous en avoir annoncé l'idée même dans un podcast précédent et notamment celui qui parle de la rentrée des mamans entrepreneurs. Et je prends là mon micro un peu en freestyle parce que les vacances scolaires pour dans certaines zones ont déjà démarré et pour moi elles arrivent bientôt. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a pas mal chamboulé quand je suis arrivée en France, de ce rythme de vacances toutes les 5-6 semaines. Euh, on a à peine le temps de rentrer dans le bain finalement qu'on a déjà les gamins à la maison. Et, et ça a tendance à nous perturber. Je pense pour tout, Je pense à une, dans, dans une certaine façon, bah ça perturbe le rythme, ça perturbe soit les trajets parce qu'on leur met plein d'activités, ou parce qu'il faut penser des plans B ou organiser des séjours. Quoi qu'est-ce. Mais ça demande finalement euh, de secouer un peu les petites routines de la maison et, euh, et d'essayer de rebricoler avec avec ce qu'on a à disposition. Et j'avais envie un peu de vous partager dans cet épisode. Euh, alors euh, pas la formule, je crois pas qu'il y ait une formule, on va dire un secret pour euh, passer les vacances avec ses gamins de façon euh, sereine et épanouie et se sentir accompli avec euh, tout ce qu'on a fait sans un peu courir dans tous les sens ou sans avoir une espèce de charge mentale qui va dans tous les sens. <laughs> Euh, mais certains peut-être oui, enfin euh, quelques outils à mettre dans votre boîte pour que vous, vous puissiez voir comment vous les bricolez, qu'est-ce qui peut fonctionner et euh, peut-être euh, voilà des options euh, pour euh, éclairer une route qui parfois euh, est un peu tumultueuse. <laughs> La première chose que je vous dirais et qui est cruciale, je pense, c'est prendre le temps euh, d'observer et de regarder à quoi ça va ressembler avec anticipation par rapport à qu'est-ce que vous voulez, dans quelle période de boulot vous êtes, euh, est-ce que ça va juste tomber euh, quand vous devez finir un projet ou faire un lancement de quelque chose ou euh, dans une petite période de rush. Déjà, un peu essayer de cibler sur vos cycles de vie, sur euh, le cycle de vie de vos, de vos boulots, de vos projets, euh, vraiment dans, dans, dans une perspective euh, et dans une vision assez globale. Donc, en gros, c'est prendre un rendez-vous avec soi, euh, prévoir euh, quelques semaines avant de se dire, ok, ok, attends, euh, c'est bientôt les vacances. Euh, c'est quoi mon plan <laughs> quelles sont mes options euh, et qu'est-ce que quels sont mes, mes, mes impondérables mes impératifs quelles sont les, les, les choses réelles finalement qu'on va pas forcément pouvoir facilement bouger et qu'est-ce qu qu'on va devoir ajuster donc la première chose c'est ça, c'est de s'organiser en amont et pas au moment où les vacances arrivent finalement où euh, on a cette sensation d'être dans le rush parce que la situation nous arrive au lieu de nous la décider intentionnellement. Mais la situation, on peut la subir, non Et moi c'est exactement ce qui m'est arrivé quand je suis arrivée en France euh, parce qu'en plus l'adaptation, les gamins ils étaient toujours pas adaptés, vraiment ils faisaient pas leurs horaires complets. Euh, mon fils en l'occurrence à l'école qu'il était déjà en vacances. Je l'ai complètement subi, ça a été assez chaotique, et c'est pour ça que ça m'a conduit à faire moi ma propre réflexion et en l'occurrence moi j'ai des petites pistes et des règles, on va dire, euh, de à quoi ressemble mon organisation de boulot euh, quand ce sont les vacances scolaires. Alors ma formule, moi, fonctionne avec moi par rapport à euh, ma façon de travailler, par rapport au fait que je ne gère pas d'employés. Donc c'est à vous de voir quelle petite tambouille vous pouvez tester par rapport à bah, votre cadre on va dire de travail, votre cadre de vie, vos propres règles quelque part. Ma devise à moi, c'est l'organisation intuitive, parce qu'avec les enfants, c'est vrai qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Ils sont assez euh, imprévus, ces petits loulous. Euh, et donc ma devise, c'est faire moins, mais mieux. Et ça, ça me demande d'être rattaché à mes priorités et d'être vraiment connecté à mes priorités, que ce soit de tâches dans mon boulot, dans les projets, qu'est-ce qui est vraiment essentiel et qu'est-ce qui va marquer la différence. Donc moi, je me fais des sessions de travail de deep work. Des temps de concentration où je vais produire des résultats, je vais produire des choses qui vont vraiment marquer euh, la différence. Je vous parle souvent de la règle des 80-20. C'est 20%, 20 qui vont avoir un impact sur le 80% des restes. Et donc ça, je le fais dans des temps de concentration. C'est-à-dire que je vais avoir, selon euh, mes périodes de, de boulot, on va dire un ou deux blocs de deux heures environ de deep work. Mais c'est-à-dire sans interruption, sans faire des recherches. C'est vraiment pour euh, réaliser un, un résultat, je ne vais pas répondre à mes mails à ce moment-là, il y a beaucoup de tâches faciles, logistiques, que en l'occurrence je vais les gérer avec le téléphone c'est une réalité aussi pendant les vacances scolaires je vais aussi me faire et, euh, et ça je vous, je vous invite à tester, mais surtout en fonction de votre niveau d'énergie, et j'aime bien aussi penser en fonction de votre euh, cycle hormonal où est-ce que vous êtes à, à, dans votre phase de cycle et euh, si ça vous intéresse le sujet, je vous invite à écouter l'épisode que j'ai enregistré sur ce sujet-là de voir si vous pouvez vous faire un espèce de rush avant les vacances. Moi, c'est ce que je fais. Alors, je le fais si je suis justement dans une période créative, dynamique. Mais pas euh, si par exemple je suis en période de règles. Bah non, je vais pas le faire. <laughs> je vais pas me faire un rush. Au contraire, je vais plutôt euh, baisser les armes et faire encore moins. Mais ce que je veux dire, c'est que je me fais un petit rush. Donc là, en l'occurrence, je suis en plein dans mon rush à moi. Et, et j'ai remarqué que c'est même bénéfique pour mon entreprise parce que j'en profite justement pour mener à bien euh, des projets on va dire ou des tâches beaucoup plus conséquentes et même d'ailleurs qui m'apportent pas mal de, de, de gratification je veux dire euh, par rapport à ce que j'ai fait donc je me fais ces mini rush déjà et j'accepte même le fait d'être un peu plus fatiguée juste avant les vacances scolaires. Alors bien sûr avec une certaine mesure et euh, j'arrive pas non plus sur les rotules parce qu'il y a quand même le rôle de maman mais ce que je veux dire c'est que si je sais que je vais aller plus dehors avec les petits et faire des activités qui vont ressourcer oui mon énergie et peut-être plus me fatiguer physiquement quelque part je compense aussi euh, tout en faisant quand même attention à un certain équilibre mais ce que je veux dire c'est que voilà je prends un peu d'avance. Euh, bien sûr en respectant mes besoins maintenant, pendant les vacances les vacances arrivent, ok <laughs> euh, soit vous avez des plans euh, de garde je sais pas, euh, la crèche, l'alte garderie euh, peut-être qu'il y a des activités, des colonies les grands-parents, les tontons, les cousins les machins profiter de ces espaces pour marquer la différence et faire vraiment des tâches comme je vous disais les 80 20 des sessions de temps de concentration pour euh, exprimer le jus un maximum <laughs> de ces moments de calme et euh, parce que souvent ils sont pas si longs que ça souvent on est aussi interrompu et parfois aussi on les a pas ça c'est une réalité nous personnellement nous n'avons pas de famille au quotidien qui vit près de chez nous alors la grande chance qu'on a c'est que moi et mon conjoint on travaille à la maison, mais par contre, depuis que les enfants sont nés, ben, ils sont dans nos pattes aussi quand on travaille. Ça c'est une grande réalité. Et là je vous dirais que souvent on me dit c'est impossible quand il y a les gamins. Euh, moi je pense que c'est complètement faux. <laughs> j'ai un petit garçon qui a une pêche qui est quand même incroyable, euh, ma fille aussi, mais on les a éduqués de, de certaine façon, on les a accompagnés pour qu'ils comprennent aussi nos espaces. Alors, je pense que quand on fait ce genre de choses, bah il faut accepter aussi le processus, il faut accepter aussi l'imperfection, euh, c'est pas ça fonctionne pas à tous les coups, mais euh, je prends l'exemple par exemple, moi j'ai toujours fait du yoga et j'ai enseigné à mes petits à respecter cet espace et m'accompagner aussi, parce que c'est la réalité. Mon fils, par exemple, venait en cours de yoga avec moi. Il venait même au bureau, d'ailleurs, <laughs> à l'époque où j'étais encore salariée. Mais ce que je veux dire, c'est que on, les, on leur enseigne aussi et c'est pas du tout des enfants écrans donc euh, peut-être une certaine personne dans sa tête peut se dire oui bon c'est facile on leur donne un téléphone non pas du tout euh, on les a enseignés à qu'ils fassent aussi qu'ils jouent quelque part en parallèle euh, à côté ou qu'ils participent aussi et euh, ça a été un processus mais ce que je veux dire c'est que on peut aussi construire ça ça prend plus de temps, je dis pas que c'est la voie la plus facile mais moi je pense que dans mon cas ça finit par être la plus confortable parce que finalement c'est pas un énorme fardeau non plus euh, quand ils sont là, et on a vraiment construit notre organisation et euh, notre façon de vivre, quelque part, autour aussi de ça. Il fallait que ce soit un projet euh, euh, soutenable, il y a le mot qui me vient en espagnol, euh, mais un projet qui puisse tenir sur le long terme. Donc, si tous les deux ont travaillé à la maison et on voulait avoir des gamins, en gros, il fallait qu'on arrive à implémenter ça, et on a réussi à le faire. Mais par contre, euh, n'essayez pas de tout faire en même temps et ça je pense que ça c'est quelque chose que moi j'ai appris avec les petits euh, et pas forcément d'une façon euh, hyper légère parce que je suis allée avec beaucoup de force de volonté où j'ai toujours essayé de tout faire en même temps nous les nanas on peut tout faire en même temps c'est à dire qu'on est des euh, on est des monstres et on peut vraiment mais lever des montagnes euh, cuisiner en même temps euh, changer des couches nettoyer un nez et écrire un mail et monter un projet et avoir un petit cahier en même temps parce qu'on a plein d'idées donc ça c'est une réalité maintenant on se crame très vite à Faire ça. Et je le vous dis avec beaucoup d'amour de dire, quand je vous dis ne faites pas tout en même temps, je vous le dis pas dans le sens euh, votre travail ne veut pas être de qualité, c'est quelque chose qui peut se discuter. Je pense qu'aussi on peut produire des choses de très belle qualité quand on fait plusieurs choses en même temps, moi ça m'est arrivé plein de fois. Pour ça je vous dis, je pense qu'on peut le faire, mais le coût est fort. Et le coût est fort sur votre charge mentale, sur votre charge corporelle, sur, sur votre bien-être en gros en soi. C'est pas toujours facile, mais je trouve que un cadre euh, propice au calme, où on sépare un peu, on va dire, la vie familiale et euh, l'espace pro, ça peut être intéressant. Et selon aussi les tâches, parce que je, demain matin, pour vous donner un exemple, je me suis prévue une matinée administrative, et je suis seule avec ma fille, et euh, elle va s'éclater, elle va faire des bouts de papier, des trucs en même temps, des machins, je vais l'intégrer, parce que ce sont des tâches administratives relativement faciles, quoi. Donc c'est plus des bouts tant qu'autre chose, donc on va essayer de faire un plan sympa en même temps. Donc voilà aussi une stratégie, c'est de voir pendant ces vacances scolaires quels sont les types de tâches qui sont beaucoup plus aussi propices à faire avec des gamins, bah qui sont susceptibles de vous interrompre aussi. Donc moi c'est quand je vous dis je me fais mes mini rush, ça veut dire que les choses où j'ai besoin de beaucoup plus être euh, euh, concentré, où j'ai besoin de produire des choses, où vraiment j'ai besoin d'être plus dans ma bulle, je vais me faire un rush de ça aussi avant les vacances. Un, un autre petit outil à avoir en tête aussi, c'est de bah, revoir son rythme de travail. Parce que parfois, sans s'en rendre compte, on peut être euh, rigide, on va dire. On a une façon de travailler de certains horaires qui fonctionnent avec nous, on a un rythme, un mode de fonctionnement bah, qui est bien installé, où on se sent confortable, et, euh, et c'est hyper cool. Mais peut-être que finalement, si on secoue un peu ça et on s'adapte plus aux horaires des gamins en acceptant, on va dire l'inconfort peut-être par exemple pour moi de travailler le soir ou euh, plutôt le matin, euh, je vous dirais euh, je me rends compte que c'est quand je parle de revoir son rythme de travail, c'est peut-être dire je vais faire ça à des horaires différents, je vais peut-être me lever plus tôt, euh, je vais peut-être euh, rester le soir et je dormirai plus le matin j'en sais rien, ou peut-être que c'est dans la journée, quoi qu'est-ce, mais d'accepter un peu cet inconfort de, de bouger en fait euh, ces petits horaires, mais euh, d'avoir des moments beaucoup plus qualitatifs. Regardez ça aussi, quelle est la réalité? Moi mes enfants sont petits, donc pour moi c'est beaucoup plus facile finalement de travailler tôt le matin euh, que euh, et, et le soir aussi. Par exemple en, en été, les deux mois. <laughs> De vacances scolaires. Oh mon Dieu, c'est deux mois de vacances scolaires. Euh, D'une, je prends des congés. <laughs> euh, c'est peut-être une bonne idée que je prends aussi des congés. Et de deux, par exemple, je travaille au lever du soleil. Euh, je travaille tôt. Euh, je vais travailler aussi parfois l'après-midi, que ça va être un moment de sieste pour euh, la petite, par exemple, et c'est le petit moment télé, par exemple, du grand, ou euh, s'il y a papi, mamie. Bon, euh, là, ça tout de suite, ça flexibilise les choses. Mais si c'est que vous. Euh, essayez de voir aussi comment vous pouvez vous accommoder. Parfois, je trouve que c'est plus doux, finalement, de s'accommoder aux horaires des gamins. Tout va être un peu plus fluide, finalement, et les choses vont s'embriquer de façon un peu plus naturelle et organique, même si bah, ça implique pour vous de changer, finalement, euh, par exemple, l'heure de votre réveil. Donc voilà les petites choses que je voulais vous partager pour cet épisode. J'espère que ça va vous être utile, euh, que ça peut vous ouvrir des nouvelles pistes. Euh, Souvenez-vous que je pense que vraiment les, les deux choses, euh, ou j'ai même dirais peut-être les trois choses primordiales, c'est anticiper. Pour ne pas subir la situation, c'est-à-dire que prendre le temps de voir quelles sont mes options, comment je veux faire. Euh, Peut-être que je vais me prendre des vacances aussi, ou m'organiser même des petits week-ends en profiter pour faire des espèces de de jours concentrés, à se faire des longs week-ends. Mais je veux dire, ayez cette vision euh, à, à moyen terme quelque part où vous allez prendre soin de votre futur vous qui euh, peut <laughs> finir par courir un peu partout et avoir une espèce de charge mentale. Euh... Assez dingue. Et euh, l'autre chose, c'est revoir même à la baisse, euh, privilégier l'impact et la qualité que la quantité, travailler vraiment avec vos priorités. Je pense que c'est une belle opportunité de se connecter aux priorités de ce qui va marquer la différence dans votre boulot. Et la dernière chose, c'est vos temps de concentration. Ça veut dire qu'au moment où vous allez bosser, ne soyez pas allé sur les réseaux sociaux, n'allez pas répondre à vos emails ou à vos chats, ne soyez pas réactif à tout ce qui est l'environnement extérieur. Offrez-vous un espace de qualité où vous allez rentrer dans une espèce de flot productif, créatif et vous allez vraiment lever des montagnes mais d'une façon beaucoup plus qualitative et qualitative aussi pour votre bien-être. Parce que quand on parle de finalement essayer de, d'anticiper les vacances scolaires, bah, c'est un peu alléger déjà sa charge mentale et un peu dire, allez, je vais prendre soin de moi. Et je vais essayer de ne pas être partout en même temps à la fois. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances. Et on se parle au prochain épisode. Si mon podcast vous plaît Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Mille merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanymaquet.com vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leurs objectif. Alors à très bientôt!